Ah, je fais une petite pause pour vérifier le son. Le son est bon. Donc ça va. Donc on en était où, nous? On était en train de cuire ça. Près dans 45 minutes. Faut du bois. Ok, ça marche. Pas de bois. Ah, désolé. J'ai perdu mon... le fil de ma pensée, du coup. Ça me tracassait, en fait, ce truc de son. Donc il fallait que je vérifie. Désolé. Hop, hop, on a 6 heures, okay, ça marche. 40 minutes, on va lire, on va continuer. Il nous reste quoi, 3 heures à faire? Je crois bien. Non, 2 heures. 3 heures, c'est ça. Ça, ça. Alors, 28, 55 minutes. Est-ce qu'on va cuire les petits morceaux? Je sais pas trop. En fait, si ça va être utile de cuire les petits morceaux. Alors, je parle des petits morceaux de viande de loup, en fait. Parce que le problème, c'est que, comme j'avais dit, si vous mangez, en fait, plusieurs morceaux de... Oh, la vache. Ok. Oh, la vache. Fait pas très froid, mais niveau brouillard, waouh, putain, bah ça se porte bien quand même. Hein. Il fait pas froid par contre, il fait vraiment pas froid, mais niveau exploration, laisse tomber quoi. Donc oui, je disais, vous allez tomber malade en fait, vous allez avoir un risque de maladie. Et à chaque fois que vous remangez en fait par dessus pendant que vous avez ce risque de maladie, du coup vous avez, alors, attendez. 800, 400, reposer, 500, reposer. Ça va augmenter vos pourcentages d'être malade. On va le mettre là. Voilà. Et le problème du coup, c'est que si vous remangez en fait même sur le même steak plusieurs fois, en fait vous risquez d'être malade. Et du coup, bah, ça passe pas bien, quoi. Ça passe pas bien. Donc à chaque fois, il faut manger des gros steaks, en fait. Il faut manger des gros steaks de carnivore. Faudrait manger, par exemple, celui à 800 calories d'un coup. Donc manger des petits, ça sert strictement à rien. Enfin, c'est pas inutile. Ok, 50 minutes. Je crois qu'on va en manger un, là. Je crois qu'on va être obligé. Parce que déjà, on n'a pas trop de vie. Et puis, j'ai envie de continuer ma lecture et continuer mon... comment ça s'appelle? Attendez, on va faire ça. Getting weak. Continuer mon feu et ma nuit, en fait. Ah, très bien, on va faire ça, on va laisser comme ça. Parce qu'elle n'est pas trop fatiguée, mais bon. Ah oui, et aussi, il faut qu'on finisse notre chapeau, là. Ah, oh, par contre, il va faire nuit. Oh, merde. Oh, on va peut-être pas pouvoir le finir, le chapeau. Si. Ok, on va manger ça. 770 calories. Voilà, maintenant, on a une maladie. Mais on a 1%, si ça n'a pas changé. Voilà, risque de parasite infestineux. Voilà. On a seulement 1%, donc ça va. Donc ce qu'on va faire, nous, c'est maintenant, en fait, ne plus manger jusqu'à ce que ça se disparaisse. Jusqu'à ce que ça disparaisse, tout simplement. Maintenant, on va faire les lapins. 30 minutes. 30 minutes. 2h30. Papam, papam. Ok. Là, on a que 30 minutes. Je pense que ce qu'on va faire, c'est... on va essayer de crafter. On va voir si on peut le faire, en fait, depuis le bas. Parce que des fois, en fait, le jeu considère, on va dire, que c'est un petit truc. S'il y a une source de lumière...
en haut, ça considère que le bas est aussi illuminé, donc on devrait pouvoir y arriver. Et puis là maintenant on a des petits morceaux de viande, donc c'est à 30 minutes. Ah, attendez, on va le faire de nuit, un peu chiant. Voilà, on va faire une demi-heure, très bien. Voilà, très bien, il reste 2h05. Parce que là on peut plus vraiment lire, je voudrais bien finir de lire le livre quand même. Mais on le lira, on finira l'heure du livre quand on fera de l'eau. Okay, ça c'est bien. 25 minutes. 30 minutes. Très bien. Le feu est bon, 4 heures, okay, c'est bon. Après quand on lira, on fera de l'eau, on pourra... crafter plus longtemps. Ouais, non, ça marche, on est en pleine nuit, là. Ah, mais c'est kit de couture. Merde, il y en a un sur le... pile de papier... nécessaire de couture. Très bien. Merde. On remonte. Ah, désolé, là, on va travailler un peu dans le noir. C'est... hein, c'est pour éviter de gaspiller de la lumière. C'est vraiment pour éviter... ouais, par contre maintenant on est à 10 minutes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour 10 minutes? Raccommoder des choses. Réparer 30 minutes. Ah là là. Par contre ça brûle au bout de 30 minutes, donc ouais non, on est bon en fait. Je suis en train de réfléchir à quoi faire. Il va nous falloir de l'eau en plus, je pense, pour faire les thés. Excusez-moi. Ah putain. Voilà. Ça c'est fait, ça c'est fait. On va faire de l'eau. Parce que j'ai envie de crafter en fait. J'ai envie de finir le truc. 3 heures, ok. J'ai envie de finir le chapeau en fait, comme ça on n'en parle plus. Comme ça c'est fini. Non, excusez-moi, on est encore dans le noir. Établi ça. Ah, très bien. Là, maintenant il nous reste plus qu'une heure. On va voir l'eau, où elle en est. Normalement, il faut la faire fondre, après la faire bouillir. Je pense qu'elle est pas totalement bouillie maintenant. Bouillie dans 46 minutes. I need to find a place to rest. Ça marche. Donc on y retourne. Très bien. Parfait, Chapka. Alors elle commence à être fatiguée. Je pense qu'on va commencer à faire peut-être des heures de sieste. On va refaire de l'eau. Ok, 45 minutes. Man, I'm not sure I can carry much more. Mais si tu peux. On va encore faire un feu très très long. Hein. Très 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 long. Voilà, très bien. Il y a cette... du coup... ça, tu bois. Et on va manger ça. Voilà, c'est juste pour rester encore un peu éveillé.
débrouille dans 50 minutes. Voilà, c'est pour qu'elle soit éveillée le plus longtemps possible en fait, tout simplement. Je veux finir tout le bois qu'on a en fait. Je veux absolument finir tout le bois qu'on a. Alors, on va faire ça aussi. Très bien. L'extérieur, il y a un feu de ouf. Ah, qu'est-ce que je raconte? Un feu de ouf. Un temps, un vent de ouf. Bon, n'importe quoi. Ok, maintenant on a... Ok, alors donc ça c'est juste à l'extérieur. Ça on peut le mettre juste seulement à l'extérieur. Donc, très bien, on gagne donc... Donc là on va être à 2. Bon, ça c'est pareil. Après il y a beaucoup de protection. C'est bien contre le vent et tout ça. Contre le vent. Surtout c'est le vent en fait qui est dur. Et du coup, oui, non, là on met ça après. Non, c'est bon, on gagne énormément. On gagne énormément. Là, on a gagné au moins 2 degrés, je crois. Quasiment 2 degrés. Damn it. So hungry. Très bien. On va faire ça aussi. Ok, 10 minutes. Qu'est-ce qu'on a à faire d'autre à crafter en fait? Je suis en train de réfléchir. On va d'abord poser l'eau. Ok, très bien. Une minute. Oh, on pourrait crafter des hameçons déjà. Et des fils. Voyons frais. Oh putain, je vois rien. Je vois strictement rien. De serre séchée. Ah, merde. Est-ce qu'on pourrait faire des hameçons et des lignes? Les hameçons, c'est quoi? C'est 20 minutes? Mais quand même. Je pensais que c'était un peu moins. On pourrait faire des hameçons. Genre... 9. Et je crois qu'on en a un sur nous. Donc ça nous en ferait 10. Ouais, ouais, on va faire ça. On va faire ça. C'est juste pour se préparer, en fait. Alors moi, ce que j'aime bien faire, en fait... on va faire ça. Cuire une... 4 heures. 4 heures, très bien. J'aime bien, c'est faire un petit stock d'hameçons, genre une dizaine, et les garder sur moi, ça pèse rien du tout. Et après faire pareil avec le fil et les garder aussi sur moi. Parce que en fait si vous craftez après un kit de pêche du coup, donc vous mettez l'hameçon et le fil en même temps, ce qui va se passer c'est que ça va prendre un emplacement dans l'inventaire et après vous avez un inventaire. En fait vous allez devoir scroller énormément. Donc c'est un peu embêtant je trouve. C'est juste un peu embêtant. Donc voilà, vous gardez les choses séparées et si jamais vous en avez besoin pour pêcher ou alors accommoder, bah vous les mettez ensemble. Voilà, très bien. Par contre, je voudrais vraiment faire... Ah, boyau séché, j'ai vu. Non, moi qui arrivais. Oh putain. On va prendre la torche, on va l'allumer. C'est un peu embêtant hein, de travailler dans la nuit, mais bon. Bouillie dans 49 minutes, c'est bien. Attends. On va prendre la bonne torche. 13%. Okay. Le reste, on n'a rien de spécial. Ok, ça marche. Ok, cool. Ça fait combien? Ça fait 2 lignes. Voilà, très bien. Donc voilà, maintenant vous avez donc 10.
et vous avez les lignes qui sont là. Donc voilà, ça pèse quasiment rien. Donc on peut les garder comme ça sur nous, et c'est ce qu'on va faire. Après on avait quoi? Un livre à finir? Enfin on a une heure à lire encore. Je pense qu'on va le faire maintenant. Ça dépend. Bruit dans 20 minutes. Peut-être pas alors. This pack is getting kind of heavy. Ok, ça c'est fini. On continue à faire de l'eau. Sinon, ouais, ça se passe bien. Honnêtement, c'est une survie tranquille pour le moment. Il n'y a pas vraiment de problème. Enfin, on a l'habitude, honnêtement. Je veux dire encore, je dois sûrement le répéter, mais on a l'habitude de la survie. Donc pour nous, c'est un peu la routine. On sait les ficelles, en fait. On connaît les ficelles du truc. Donc ça se passe bien. Ça se passe bien. On va finir le livre. Voilà, maintenant on a fini le livre, on a augmenté en niveau. Bouille dans 52 minutes. On peut prendre un autre livre. Et c'est ce qu'on va faire. Ok. I will die if I don't get food soon. Oui, 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 oui. La pêche, l'allume d'un feu, la couture, le fusil. Tout est utile en fait. Dépecer. On va prendre dépecer. Ça y est, elle est morte la torche. Elle commence à être fatiguée. Est-ce qu'elle va durer les... quoi, 2-3 heures qui restent? Je sais pas. 3 heures. 30 minutes. Ah, là, on peut faire 10 heures. C'est un gros volume. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est vraiment bien. Ah oui, et après quand je disais là, vous les faites séparer, vous les gardez séparés, parce qu'après pour les fabriquer, vous allez... Enfin, c'est juste mettre le fil à l'aiguille, quoi, l'attacher, donc vous pouvez le faire directement. Du coup, on va attendre. Est-ce qu'on a des trucs à réparer, quoi? 67, 30 minutes. On va le faire. Très bien. Ouais, elle commence un peu à fatiguer. Je pense qu'elle va pouvoir tenir, ou alors on dort une heure. Je suis pas sûr qu'on ait besoin de dormir une heure. Je suis pas vraiment sûr. Elle est très fatiguée par contre, ça c'est sûr. J'aurais dû attendre. Une heure à tuer. Je me demande ce qu'il faut pour la réparer. Parce que ça, des fois, les trucs, les petits vêtements en fait en peau de bête, la plupart du temps, ils font juste un boyau et c'est tout. Et après, pour les plus gros, je crois qu'il faut genre une peau à chaque fois. Ou alors, il faut à chaque fois une peau. Je sais plus trop. J'espère qu'il en faut pas. Bon, après, c'est des lapins, c'est pas très très dur à trouver, mais. Mais voilà quoi, ça peut être chiant. Mais bon, ce sont les meilleurs outils qui... Enfin, les meilleurs vêtements qui existent. Les plus simples à avoir. Parce que... Faut pas les trouver, faut seulement les crafter. Et ils sont très très résistants aussi. 45 minutes. Bah merde. Bah merde, je sais pas quoi faire. Euh...
dort une heure. Non, non, non. Ah oui, il y a un truc dangereux aussi. Si vous avez dans votre inventaire des steaks de loup et des trucs comme ça, faites très attention quand vous cliquez comme ça. N'allez pas trop vite. Parce que... 35 minutes, parfait. Parce que vous risquez en fait d'aller trop vite. Et du coup, vous allez complètement double-cliquer sur... du coup, on peut ranger ça. Vous allez complètement double-cliquer en fait par erreur sur la viande, et moi ça m'est déjà arrivé et ça m'a coûté une survie comme ça. Ça m'est complètement arrivé. J'ai complètement merdé ma survie en fait, parce que j'ai remangé genre deux fois par-dessus sans faire exprès parce que j'ai cliqué, je suis allé trop vite. Donc du coup elle avait beaucoup plus de pourcentage, je suis allé me coucher, elle est tombée malade. Et après, c'est un calvaire pour enlever la maladie. Il faut plusieurs tisanes, ça prend plusieurs jours. Elle devient de plus en plus faible. Des grosses chances de mourir en plus de... chaque nuit. Enfin, c'est un putain de bordel. Donc honnêtement, si vous êtes malade et tout ça, à la limite, recommencez quoi. Donc c'est pour ça, faites attention à ça. Nous, on l'a toujours pour le moment, on est d'accord, on est toujours de 1%. Donc c'est assez hardcore ça. Bouille dans 18 minutes, parfait. Mais voilà, je pense que je sais pas trop ce qu'on va faire la prochaine fois. Déjà là, on va dormir au moins 10 heures. Un bon 10 heures. Pour essayer de récupérer le plus de vie possible. Déjà, on a un peu stabilisé sa perte de vie, donc ça c'est bien. Et après, on va faire une grosse sieste de 10 heures. Ça. C'est vrai que j'aime des quilles. On a le bouleau séché, qu'est-ce qu'on peut en faire? Des flèches. Ah, il faut une hachette ou un couteau. On peut pas faire de flèches pour le moment. Un bouleau séché, ouais. Donc là, on pourrait faire plein de flèches. Ça fait 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 et c'est quoi à chaque fois? 3 flèches, je crois. Flèche 3, ouais. Donc honnêtement, on a plein de flèches. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. Ok. Donc il nous en reste combien là? 1, 2, 3. Et après, on a que des boyaux. 3, on pourrait faire quoi? Non, il en faudrait 4 pour ça. Non, la prochaine chose qu'il nous faudrait, c'est le pantalon. Il nous faut 3 fourrures. Donc, le pantalon, c'est la prochaine chose qu'on fait. Ou alors, enfin, ou peut-être et aussi. Ah oui, non, il faut un couteau chasse. Et une hachette. Les sites de couture. Ouais, non, on peut pas faire le manteau pour le moment. On va pouvoir faire le pantalon. Si on arrive à trouver un élan, j'ai envie de partir à la chasse à l'élan. J'ai vraiment envie de... Ouais, comme ça, on pourra le faire très tôt. Je pense qu'on le fera, la chasse à l'élan. Chasse à l'élan peut être très très dangereux. Hein. Donc on est bon, on est à la fin. Donc ce qu'on va faire, c'est ça. On tue le feu en fait. S'il reste 23 minutes, ouais, c'est bon, il reste plus rien. On regarde les torches qu'on a, 41. Ok, on va détruire celle-là. Et on est bon. Et on est bon. I wonder if I can drop any of this gear. 20 charbon. Ouais, 34. On a 3 kilos de charbon. Ouais, c'est peut-être un peu beaucoup.
Non, c'est peut-être un peu beaucoup, 3 kilos de charbon quand même. Je sais pas où le mettre. On va le mettre là. Là, c'est tout notre bric-à-brac en fait. Ah, on est au max. Merde. Cinq kilos. Et toi, t'es toujours en bon état? 80. On va se mettre là. C'est un peu embêtant ça à chaque fois. Pas savoir où mettre les choses. Voilà, très bien. Donc ça c'est pour dessiner. Hein. Allez, ça y est, on y va là. On va... Ah oui, on va poser un peu l'eau. On va poser 3 litres. 2 litres même. On va boire, manger et dormir. Et on est bon. Jeter, très bien. Donc voilà, on a refait notre stock d'eau. Honnêtement. On a refait notre stock d'eau, donc on est bien. Il y a la scie aussi. Il va falloir qu'on la répare, la scie. Faire très attention aussi. Parce que j'ai pas envie de la casser. Si on la casse, c'est fini, on peut pas la réparer. Donc faut la réparer avant qu'elle casse en fait. Donc faire attention à ça. On va boire un peu. Et on va manger. Faut qu'on mange encore un tout petit peu plus. Oups, faut qu'on boive aussi. Toujours boire avant de valider. Voilà, très bien. Voilà. Bonne nuit. Ah, starving. Et on se réveille. Alors, la dernière fois on avait fait... C'était long et pas extrêmement intéressant, je vous l'accorde. On a passé au moins 30 minutes, je crois, à faire que de l'eau et cuire de la viande. Mais, voilà, c'est un mal pour un bien. C'était nécessaire, voilà. C'était nécessaire. On a encore ça, ce qui est cool. On a encore des calories. On a à peu près 50% de vie qui est bien. Alors le problème c'est que on est en début de nuit. Aïe aïe aïe. On est en début de nuit. Donc que faire en début de nuit? Et ça c'est un problème. Par contre on a trop de viande sur nous, va falloir en déposer. Je pense qu'on va aller se balader. Ah, je sais que c'est en pleine nuit, mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? J'espère qu'il fait pas assez, pas trop froid. Par contre, on a trop de viande sur nous, c'est pour ça qu'on est... pour ça qu'on a de l'odeur, voilà. Très bien. Fait pas extrêmement froid, mais on n'a pas vraiment de visibilité non plus. Ouais. Putain, j'ai l'impression que ça c'est nouveau par contre, ce temps-là. Parce que là, c'est un mélange de vent avec la tempête. J'ai l'impression que j'ai jamais vu ça. C'est bizarre. Je cherche des loups, honnêtement. Des loups ou des lapins. Ah, attendez. Je pense qu'on va faire ça. On va faire la chasse aux loups, aux lapins. Alors, comme j'ai dit, je sais, c'est pas... Honnêtement, on a une visibilité de merde. J'espère que ça sera pas trop sombre non plus.
Mais faudrait. Faut le loup pour avoir. Bon, déjà pour avoir les peaux. Je sais qu'on peut pas le faire une fois un couteau et tout ça. Ça, le couteau, on va le faire après. On ira dans l'autre zone. On va. Je pense qu'on va y aller assez tôt dans l'autre zone. Je pense d'ici un ou deux. Oh putain, par contre, pour trouver des lapins. Je pense que d'ici un ou deux. Ah bah voilà. Yes. Ok, d'ici un ou deux épisodes, je pense que je vais commencer à faire une excursion. On va y aller directement. Je pense que on le fera après avoir crafté notre pantalon. Notre pantalon en peau. Parce que on va devoir rester à l'extérieur assez longtemps. Donc je pense que la peau... le pantalon en peau de serre, là, ça sera vraiment très très utile. Bon, déjà, on a fait une bonne sortie, parce qu'on a déjà un lapin. Donc honnêtement, c'est bien. On est résistant assez au vent et tout ça, donc bon, le froid c'est... et l'humidité augmente pas vraiment trop vite. Vous voyez, il n'y a que ces vêtements-là qui... Tout ça, mais le reste, ça va, ça va. C'est pas... Maintenant, on a des bons vêtements. Ah oui, aussi, donc, pour vous parler un peu de l'envers du décor. En fait, j'ai tourné beaucoup plus de vidéos que nécessaire. Au point de vue de les poster en fait. Donc là je suis déjà maintenant. En fait je viens juste de poster la toute première vidéo de la nouvelle saison. Donc les gens sont... Oh, attention on est dans le rouge. Les gens sont contents de revoir du Long Dark. Et sur la première vidéo, donc je viens de passer pour un con. On avait des fusées. Alors je crois que j'ai jamais utilisé les fusées pour ça. Mais c'est vrai qu'avec les fusées de détresse, vous pouvez faire du feu. C'est vrai. Vous pouvez complètement faire du feu avec les fusées de détresse. Et j'ai complètement oublié ce détail. Donc dans le premier épisode, même si on n'avait pas d'allumette, rien, on pouvait techniquement faire du feu grâce au... J'ai envie de remonter là-haut, mais il n'y a rien là-haut. Il n'y a rien, ça servira à rien. On va se balader là. Je veux voir si on peut pas récupérer du... Attention. Si on peut pas récupérer des... Trouver des bouts de bois. En fait, des bois à scier. Pour des flèches et tout ça. Si on peut toujours trouver des trucs comme ça de temps en temps. Oh la vache, attends pas. Attends, hop. Ok, on est bon. On est tombé dans de la poudreuse. Donc voilà, une personne m'a dit en commentaire, oui, tu aurais pu utiliser la fusée. C'est vrai, complètement oublié la fusée. Par contre, j'ai l'impression de m'être un peu perdu. Enfin, je sais grosso modo où on est. Ça porte bonheur. Ça porte bonheur de les toucher. De les toucher. On commence à avoir froid. On va peut-être rentrer. On a un lapin à dépecer. Là, on a de l'odeur, par contre. Alors, attendez, je vais... Silence radio. Ça va. Ça va. On a fait quand même pas mal peur aux loups, hein, je veux pas dire. Mais on a bien... ce passage est plus ou moins safe.
On va rentrer, on va dépecer le lapin. Ça nous fera déjà perdre quelques heures. Et je pense qu'on va aller aussi dormir. C'est pour ça que je vais courir, je vais sprinter. On la fatigue un peu, ce qu'on va faire. Et on va passer quelques heures donc à dépecer, donc à enlever la peau et machin du lapin. Et je crois qu'on sera allé vers 3-4 heures du matin. Juste au cas où. On sera sûrement à 3-4 heures du matin, donc nous on ira dormir. Comme ça, on pourra repartir à l'aventure dès le matin, dès le lever du jour en fait. C'est quoi ça? Ah, c'est le projecteur. Donc oui, si jamais vous avez des problèmes niveau feu, mais que vous avez donc ça. C'est... Non, c'est là. C'est ça, la fusée. Normalement, oui, on peut faire du feu avec. Comment on la répare? Il faut ça, ça fait une heure. Est-ce qu'on peut la réparer dans le noir? Je sais pas si on peut la réparer dans le noir. On va voir. Très bien. Il est presque minuit. Ta-ta-da-ta-da. De quoi on pourrait parler? Ah oui, je me suis enfin motivé. Bah là ça va être moi qui parle de tout et de rien, honnêtement. Là je pense qu'on va, vu qu'on est encore à la maison, qu'on fait pas grand chose, je pense qu'on va parler de tout et de rien. Hop. Par contre on va prendre les morceaux comme ça. Et on sera prêt pour dormir. Et finir la nuit. Faut que je récupère un morceau de métal par contre. Pour voir si on peut pas réparer la scie directement. Oh, attendez, ok, on est devant l'établi. Ah, donc je me suis enfin motivé, ça y est, à me relancer dans Parasite Eve 2. Je crois qu'on est obligé de prendre une caisse, non? Donc on a commencé, enfin j'ai commencé le mode cauchemar. Je suis déjà mort plusieurs fois. Matériau nécessaire, ferraille réparée, nécessite outils simples. Ok, ça marche. Mais en cauchemar, je m'autorise les sauvegardes rapides pour... Ah, on peut pas le faire dans le noir, merde. Ah, chier. J'ai vraiment cru qu'on pouvait. Ah, je suis deg. Je m'autorise les sauvegardes rapides parce que sinon ça prendrait trop de temps à chaque fois de recharger la sauvegarde et tout ça. Enfin, ça m'obligerait à faire des coupures tout le temps, à éditer la vidéo à mort. C'est extrêmement chiant à éditer, honnêtement, de faire des choses comme ça. Donc je m'autorise les sauvegardes rapides. Mais c'est fun, honnêtement, c'est vachement fun, Parasite Eve 2 en mode cauchemar. Je sais qu'il y en a plein qui doivent pas connaître le jeu, mais juste essayer de... Comment dire, de comprendre l'expérience que j'explique, même si vous connaissez pas le jeu. Donc en gros, l'expérience, ça se traduit par... vous avez des monstres en fait de fin de jeu, au début de jeu du coup. On va continuer à faire un petit voyage encore. On va se balader encore un peu. Et du coup, en fait, ça vous pousse à faire attention à vos ressources, parce que c'est des vieux jeux. Ça, il a 20 ans hein, quand même, hein, Parasite 2. Et vous pouvez pas farmer en fait, ça existe pas la farm, les monstres réapparaissent pas et tout. Donc vous êtes très limité en expérience et en argent, hein, si je peux dire ça, c'est les BP, c'est l'argent. Et du coup ça vous pousse à faire attention à quoi vous utilisez. Parce que si vous prenez mal un combat et que ça se passe mal, que vous perdez beaucoup de ressources et tout ça, bah, c'est pas comme si vous pouvez farmer pour en récupérer, vous voyez ce que je veux dire. Donc honnêtement ce sont des bonnes difficultés ça. Qu'est-ce que j'en ai ras les fesses des difficultés bidons dans les jeux, dans les jeux modernes de nos jours. C'est toujours plus de vie, tu prends plus de dégâts, putain, c'est chiant, mec. Voilà. Par contre, il fait pas froid, mais par contre, j'ai pris
la viande sur moi, donc on a une odeur. Faut faire gaffe au loup. Mais qu'est-ce que c'est relou d'avoir des difficultés de merde comme ça, genre tu prends plus de dégâts, tu prends les ennemis ont plus de vie. C'est con. Ok. Waouh, c'était très con ce que je viens de faire. Moins 10, ok. Enfin, c'était... C'était pas si con que ça, mais le problème, c'est que... en fait, le temps s'est dégradé. C'est... Voilà, c'est ça, la connerie. C'est que le temps s'est dégradé. Donc, du coup... Ouh, ça, c'est le... Je crois que ça, c'est le... Le temps que je déteste le plus. Regardez quand on bouge la caméra. On voit rien. On n'arrive pas à distinguer, en fait. On dirait que notre vision est brouillée. C'est super étrange. Ok, on va dormir. On a perdu un peu de vie du coup. Ah, ça m'emmerde. Ah, chier. Bon, on a gagné des bois de cèdre. Alors ça, c'est pas mal aussi de le faire si vous pouvez, bien sûr. Faut regarder un peu la scie. Bon, ça va, elle a pas trop souffert. Mais si vous pouvez le faire, faites-le. Parce que ces bois, en fait, vont réapparaître après les tempêtes, comme j'avais dit. C'est comme les petits morceaux de bois, en fait, que vous trouvez. Donc dans un sens, avoir du cèdre et tout ça, c'est plus ou moins illimité, entre parenthèses. C'est illimité, mais il faut quand même attendre un certain temps. Mais vraiment utile, vraiment utile. Ça, par exemple, ça va nous aider à nous pour... quand on va aller, par exemple, crafter notre hachette et notre couteau, par exemple, ça va être utile pour le feu, pour le maintenir en vie, le feu. Ça va être vraiment bien. Et par contre, on va s'amuser pour retrouver la forge, parce qu'honnêtement, je sais plus trop où elle est, la forge. Bon, après, la zone, elle est pas trop grande non plus, mais ce qu'il faudrait... Oh, merde, pas ça. C'est que il faut prendre... ouais, on va prendre 10h, enfin, 9h, mais elle va pas dormir 9h. L'endroit est pas méga grand. On va dire que c'est très exposé, donc vous pouvez voir très loin. Par contre, si vous y allez dans ou un moment où il y a beaucoup de tempêtes et que vous n'avez aucune vue, en fait, c'est super simple de vous perdre parce qu'il n'y a pas vraiment de repères. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très exposé. Il n'y a pas vraiment genre... oh tiens, il y a un gros bâtiment là, donc je suis ici. C'est très, très espacé, en fait, les points de repère. Donc, si vous y allez à un moment où c'est que c'est une tempête, c'est la merde. C'est vraiment la merde. Donc ça, on va le garder. Donc faudra bien prendre notre moment pour y aller. Mais avant, comme j'ai dit, je voudrais avoir le truc du cerf. Pantalon, 52%. C'est bien 3, hein, que je dis pas ce que... Oui, c'est bien 3. On va faire 12 heures, ça va, c'est pas énorme. Et je pense que... On va prendre de l'eau un peu. Je pense qu'on risque d'avoir le mal de l'enfermement assez tôt. Ah merde, mais j'ai plein de trucs que j'ai pas posé en fait la dernière fois. Enfin, assez tôt. Ça risque d'arriver en fait, parce que là on a passé notre temps franchement à l'intérieur. Enfin, beaucoup de temps on va dire. Donc... Putain, avec cette tisane, ça va être vraiment bien. Oh, ça va nous changer la vie honnêtement. Ça va être vraiment vraiment cool. Ça va rendre les choses beaucoup plus simples. Vous imaginez même pas. Vous imaginez même pas comme les choses vont être plus simples. Putain, mais moi, à mon époque, c'était hardcore. Maintenant, c'est mode facile, quoi. Allez, dis-moi qu'il fait pas froid. C'est un peu pourri, quand même. C'est un peu pour... Ah, attendez. On va re-rentrer. Pardon, désolé. On rentre et qu'est-ce qu'on... On va regarder la map, en fait. On va voir ce qu'on veut faire. Alors. Parce qu'il fait pas extrêmement froid. J'ai personnellement envie de dessiner quasiment toute la map.
Même s'il fait froid et on se... Enfin, je sais pas trop, est-ce que ça vaut le coup ou pas. On peut aller là. On peut retourner ici pour dessiner et aller aux maisons là. Vous voyez, comme ça on se réchauffera en fait. Pendant le moment. Ah, on peut aller pêcher aussi. Ouh, j'avais oublié ça. Et oui, on a du filet d'une aiguille maintenant. On peut complètement aller pêcher, dis donc. Qu'est-ce qu'on fait? On pêche? Je sais pas. Ah oui, non, c'est ça que je voulais faire. C'est pour dessiner, juste au cas. Je sais pas si on pêche. On va voir. Alors le truc, c'est que la pêche pour nous... Alors en théorie, la pêche, c'est super simple à faire. Vous pêchez, basta. Et une fois que vous avez les poissons, bah, vous avez qu'à les stocker à l'extérieur, comme ça ils pourrissent pas. Et après, vous les cuisez, quoi. Alors le problème avec nous, c'est que bien sûr, évidemment, il fait très froid. En un truc, il fait extrêmement froid. Ouh, il y a du loup. Il fait extrêmement froid. Donc la plupart du temps, si vous voulez pêcher pendant plusieurs heures, et il faut pêcher pendant plusieurs heures, parce que sinon c'est pas rentable du tout, il faut faire du feu, du coup. Il faut complètement faire du feu pendant que vous pêchez. Donc il faut faire des réserves de bois. Et après, partir avec toutes ces réserves de bois et pêcher. Je sais pas où on est, là ou là. Il a pris l'appât ou pas? Il a même pas pris l'appât. On l'a eu. Bon ben, changement de plan. Ah, l'autre il a eu peur là-bas. Vous avez vu le quick shot? Le deuxième quand il est passé. Et ça c'est des entraînements pendant des années. Entraînement Counter-Strike, Call of Duty, Overwatch. J'ai jamais joué à ces jeux. Mais vous avez vu quoi. Bah si, j'ai joué à Call of Duty, je sais. J'étais un chasseur à une autre époque. Donc on a récupéré une peau en plus. Maintenant on a froid. Oh mon dieu. Mon dieu, ce jeu, qu'est-ce que c'est compliqué des fois. Donc on a notre quatrième pot, très bien. Ok, cool. Ça
Ça augmente bien l'expérience de tirer ou pas? Arme à feu, revolver, arme à feu, fusil. Ouais, on est presque niveau 2. Apparemment, les carcasses, on devient assez bon. J'avoue que c'est cool. Faudrait se réchauffer. Ouais, enfin, se réchauffer comment, quoi? Il y a un truc qui est pas mal, ce qu'on peut faire aussi, c'est faire des igloos. Alors les igloos, ça se fait avec des bouts de bois et du tissu. Et je crois que c'est quand même pas mal de choses. C'est genre 10 tissus. Oh, il fait pas froid. Ouais, il fait pas froid, par exemple. Pardon. 26 quand même. Et du coup... J'ai envie d'aller me réchauffer. Ok, on va aller se réchauffer. On va aller se réchauffer. Je pense qu'on va passer une heure, on va lire. On a quoi comme livre sur nous? On a dépecé vos proies. Ok, on a ça. On n'a pas un truc de chasse à la place. Ou peut-être la couture. Peut-être la couture, c'est mieux. Ouais, j'ai 10 points. Peut-être la couture c'est mieux parce qu'à chaque fois pendant la couture en fait on perd. Comment ça ça on l'a lu. Hein. Ouais, ça on l'a lu. On peut le mettre. Je sais pas où le mettre. Genre là. Qu'est-ce que je voulais dire moi? J'ai complètement oublié ce que je voulais dire. Ça, on mange. Ouais, très bien. La couture, c'est chiant parce que vous perdez, voilà, vous perdez déjà des pourcentages sur le kit, je crois, le kit de couture. Et vous perdez à chaque fois le tissu, en fait, le tissu que vous utilisez. Donc, du coup, c'est le truc le plus chiant, en fait, à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est pas complètement... Oh. Ah, très bien. Et pour faire de l'expérience dans la couture, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il faut coudre. Donc du coup, en gros, vous risquez gros pour récupérer de l'expérience. Donc je dirais que lire ce livre est plus important que par exemple le livre de feu ou le livre... de carcasse. Livre de carcasse, à la limite, si on y réfléchit bien, oh, starving. Il est inutile. Parce que la carcasse... Enfin, vous êtes toujours en train de le faire, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça... Et c'est pas grave, vous perdez rien, en fait, quand vous vous décarcassez quelque chose. Ça se dit, décarcasser? Non. Putain, il y a deux loups encore, tu te fous de moi? Enfin, en tout cas, vous perdez rien, quoi. C'est juste du temps que vous passez en plus, parce que si vous montez de niveau, vous mettez moins de temps à le faire. Mais vous perdez rien. Oh là 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 là. Attends. Reste cool, Corentin. Ils sont partis? Ah, j'ai l'impression qu'ils sont partis.
Ok, cool. Donc on a encore de la viande en plus. Et on a un boyau en plus. Voilà, très bien. J'ai envie de prendre le sac de couchage sur moi, comme ça on dort là-bas. Je suis pas trop sûr. Je suis pas trop sûr de ce que je veux faire en fait. On va peut-être se balader. Comme ça, ça nous évite de rentrer à chaque fois. Mais il faut... Il faut qu'on se trimballe un peu de la nourriture. Quoi. Très bien. Ah bah putain, ça se vient. Ça se passe très bien. Voilà, ça, ça, ça. Si on dort une heure pour se réchauffer, non? Je crois qu'on n'a pas besoin de dormir en fait. Allez, on y va. Ah, on se réchauffe ici, tiens. Quoi. Ah, il fait chaud. C'est parfait. Par contre, on a beaucoup de viande sur nous, du coup. Ah, il fait chaud. Il fait chaud. Il doit faire 1 degré. Honnêtement, il doit faire 1 degré. Pas plus. Ah, ok, on a les chiens là. Ouais, et par contre, je pense qu'ils vont nous aggro si on passe à côté. Parce que on a de l'odeur. Je crois même qu'il y en a un. Quoique non, 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 ça peut... Si! Si. Lui, oui. Lui, il nous a aggro, complètement. Ouais. Lui nous a complètement aggro. Il y a beaucoup, beaucoup de loups. Je crois qu'il s'en fout de l'appât. Ah si, ça y est. Elle serait partie dans la tête. Hein. Elle serait complètement partie dans la tête. Tu peux courir, on te retrouvera, mec. On te retrouvera. Par contre, il a bouffé mon appât, ce con. Qu'est-ce qu'on fait? On le chasse? Ça me fait un peu chier là, j'ai l'impression qu'on gâche un peu des balles en fait. Mais bon, on n'est pas très loin de commencer à utiliser l'arc, donc bon, c'est pas la mort non plus. On a plus de 10 balles encore qui nous restent. Y'a pas des plumes? Oh les corbeaux, foutez rien.
On ira là-bas. Du cerf. On va peut-être se faire le cerf. Ouais, on va peut-être se faire le cerf. Wow, il y a tout ça? Oh. Ah d'accord. Je dois bien avoir un cerf pour la viande. Attendez, on va se mettre là. Ah, très bien. On va aller aux maisons. Ouh, il y a ça. Honnêtement, je me rappelle plus de ce qu'il y a au sommet. Je me rappelle plus du tout. On va aller à côté de la corde et on va dessiner. On va voir ce que ça nous donne, la carte. Ah, c'est vrai qu'il y a ça. Je sais pas. Ça doit mener à une autre zone, mais... Le truc, c'est qu'on va être... On est trop fatigué, en fait. Enfin... On pourrait la prendre. Mais bon... Par contre, on va en profiter 1h30. Okay. Okay, cool. On va en profiter parce qu'il fait pas... Ça y est, commence à faire froid maintenant. Il fait pas froid, donc du coup, autant couper des bouts de bois, là. Et récupérer du cèdre et tout ça. Ça va nous aider pour plus tard. Attends, toi, tu bouges pas, c'est abusé, quoi. T'as vraiment pas peur, en fait. On est trop lourd. Je sais pas si ça vaut le coup de le chasser. Ah, on peut s'approcher assez près, hein. T'es sérieux là? T'es sérieux niveau des... Ok. Qu'est-ce que j'ai que je vous dise moi? Oh, y a pas une grotte là-bas? Yes, y a une grotte. Ok, on va voir. Qu'est-ce que c'était que ça, quoi? Elle est bien allée dans la tête, non? Elle peut traverser la tête, quand même. Putain, chier. Il nous reste quoi? On a deux chambres vides. Enfin, on a deux places pour les balles. Et on en a quoi? 5 chez nous. Waouh! On est peut-être déjà venu parce que là il n'y a rien du tout. Ah, je suis dégoûté d'avoir loupé ma balle quoi. On va visiter les maisons là. Le temps de casser des trucs ou je sais pas trop ce qu'on va faire.
Et on va voir si on peut encore chasser. Il y a plein de bois. On va faire un peu le tri aussi de ce qu'on a là. Parce que on est trop lourd. On est vraiment trop lourd. Très bien. Putain, on a du bon là. Je me demande si je peux drop any of this gear. Excusez-moi si j'ai dû couper mon micro et le bouton pour couper mon micro parce que sinon je vais pas m'en rappeler pendant le... l'édit. Et du coup la touche en fait c'est la même pour prendre des screenshots et du coup vous voyez en fait des écritures apparaître. Je suis complètement désolé pour ça. Alors réparer, il faut une fourrure et une boyau. Ça, ça a pas vraiment de sens. Je vois pas pourquoi on aurait besoin d'un boyau pour recoudre ça. C'est bizarre quand on y pense. À moins qu'ils disent boyau, mais en fait on fait du fil plutôt. Je pense que c'est plutôt ça. Voilà, ça c'est bien. Est-ce qu'il y a des lits ici? Je me rappelle même plus s'il y a des lits. Par contre, est-ce qu'on a dessiné? On n'a pas les maisons. On a la grotte, mais on n'a pas les maisons. Est-ce qu'on peut le faire la nuit? Ah mais ouais, pas avec un temps de merde comme ça. Ah mon dieu. Il y a un lit. Allez. Pas méga fatigué. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour passer le temps? Oui, je vois pas pourquoi on pourrait réparer dans le noir. Bien vu, bien vu, bien vu. Ok. Du coup, on va... Quoi qu'on ait... Quasiment en plein milieu de la nuit là. Je vais voir s'il n'y a pas un... quelque chose à découper à l'extérieur. Par contre, on a vraiment un temps de merde maintenant. Pas des massettes. On va dormir, on va dormir. Je voulais sprinter aussi pour la fatiguer un peu. Du coup. On va aller là. Et on va dormir 10 heures si on peut. Viande, loup. Non. Ça. Et on va dormir. Ah, je suis dégoûté d'avoir tiré une... J'étais à 100% sûr de le toucher, l'autre. Hein. Le serra, ah, ça va m'énerver. Enfin, je vais avoir ça en tête. Je vais pas l'enlever de ma tête. Oh, putain. Allez, on dort.